Eh bien, nous voici à Collioure, un site emblématique tout à fait magnifique et qui nous fait penser naturellement aux énergies marines. Alors, ça peut paraître un petit peu curieux puisque les énergies marines, c'est plus traditionnellement l'énergie de la houle et les énergies marémotrices. Mais en réalité, les énergies marines, c'est aussi le cascading, comme on en a ici dans nos fonds marins ou les courants marins, et puis aussi l'exploitation des gradients thermiques ou des gradients de salinité. Et là, bien entendu, la Méditerranée peut tout à fait se défendre. Alors, de manière un petit peu plus légère, on peut aussi considérer que les touristes qui viennent et reviennent chaque année pour se ressourcer sur nos belles plages et se recharger en énergie saine pour repartir sur une année de travail, c'est aussi une forme d'énergie renouvelable. Bon, moi, je vais vous quitter pour aller tester la température de l'eau et éventuellement en profiter déjà.